this is dirty. What the hell? This thing never works. Wrong song. On en a marre. Qu'est-ce que c'est que ce streamer de ses morts? Incroyable. Il en a marre. Non mais vraiment. Non mais tais-toi. Tais-toi la musique. Oh, il reste 10 secondes. Il reste 5 secondes, on peut lui laisser ça. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, en vrai, je me sens désolé, je suis dans une phase de désolation parce que c'est la dernière saison de la Moquette TV. Et en fait, on fait le pire jeu pour la dernière saison. C'est-à-dire que dans tous les jeux qu'on a pu se faire en Moquette TV, on n'a jamais fait pire. On n'a jamais fait pire que ce putain de jeu. Bref, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est Moquette pour parler de tout, mais sur le journal, on est là pour la Moquette TV numéro 148.
On continue ce fucking jeu de ses morts, Pokémon Ranger Nuit sur Almia, qui est dans le lore des pires jeux de la Moquette TV qu'on a pu faire, c'est l'un des numéros 1, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, sans oublier le fait que j'ai une solution sous les yeux, hein, histoire que le jeu avance encore plus vite si jamais on est trop bloqué, genre, vraiment, je laisse 5 minutes de galère, grand maximum, si au bout de 5 minutes je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je vais regarder la solution directe, il est hors de question qu'on passe trop de temps sur ce jeu incroyable mais vrai, complètement incroyable mais nul. Surtout qu'après, encore une fois, hein, je le répète, mais après c'est Code Lyoko hein, qui nous attend, hein, le jeu Code Lyoko, et ça c'est bon, hein, ça c'est très très bon, parce que j'ai trop hâte de le redécouvrir. En vrai, Code Lyoko, le jeu sur DS, je ne l'ai jamais refait depuis que je l'ai fini il y a des années. Du coup, mais ça va, on a compris, putain! Moquette, fais pas le mongol à un moment donné, la porte s'ouvre pas, arrête de forcer quoi. C'est le mec qui comprend rien à la logique du jeu vidéo, tu sais. Ouais, mais peut-être que si je reste 10 heures devant la porte. Non, incroyable, complètement con lui. Alors, non, alors ça par contre, ça me fait peur. Oula, incroyable. Il y a plein de Pokémon, faut-il les capturer? Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, les potes. Tout ce que j'ai envie de vous dire, les potes, c'est que. Oh non, parce que. En plus, je sens. Je le sens gros comme une maison qu'il va falloir retourner dans l'eau. Hashtag le pire lieu ever. Hashtag le pire lieu ever quand même. Oh d'ailleurs je suis qu'un sac à merde, j'ai toujours pas mis des VOD. Promis dans le week-end je m'occupe de ça. Hein. Dans le week-end plus de VOD, hein. Incroyable. Sac à caca. Bah oui, non, mais complètement. Attends, mais regardez-moi comment elle est folle, la Lipoutou, là. Avec un gun. Hop, un petit gun. Merde, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Incroyable! Hop. Non, mais putain, mais. Mais. Comment vous allez les gens? Ouais, je suis allé chez le coiffeur. Je suis allé chez le coiffeur, incroyable. On a parlé tellement de choses avec mon coiffeur. C'était vraiment un moment intense mais et productif à la fois. C'était vraiment un moment complètement pris de sentiments divers et variés. On a vraiment kiffé quoi. On a vraiment passé un moment formidable. Alors attendez. Ah oui d'accord! Ah oui d'accord tout simplement. Putain, mais moi j'allais chercher midi à 14h. Oh là là, je surestime le jeu. Je surestime le jeu. Moi, dans ma tête, fallait activer un autre mécanisme, quelque chose qui était loin, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est des ruines antiques. Le mécanisme tel Atlantide doit être un petit peu développé. Mais en fait, pas du tout. Il suffit d'aller chercher un Pokémon feu et allumer la bougie de ses morts. Ce qui n'est pas du tout le cas de Lipoutou, hein. Je suis en train de capturer cette chouin alors que c'est pas du tout le Pokémon qu'il me faut. Hein. Regardez le degré de fun que j'essaie d'obtenir à travers ce jeu qui au final n'en apporte pas. D'ailleurs je prends un peu les gens au dépourvu, il n'est pas du tout 21h30. Mais bordel de merde, je veux en finir avec ce jeu quoi. Salut Kizzy, ça va? Mais pourquoi j'ai pas le chat sur le côté, incroyable? J'ai mon Twitch qui est en train de déconner. Attends. Bite en bois. Ok, ça apparaît. Ça apparaît là. Non, mais je comprends pas. Je sais pas. Alors, je vais relâcher. Je vais relâcher. Mais regardez-moi ça. Elle est complètement possédée, la Lipoutou. Vas-y, je vais supprimer. Putain. Bon, vas-y, casse-toi, Lipoutou. Ça va, hormis que j'en peux plus de ce jeu. J'ai tellement hâte de le finir, tu peux pas savoir. Voilà, il y a un Goopix là. Concrètement, le Goopix, c'est ce qu'il me faut pour allumer la bougie là de la bougie du père Fouras. Oui, oui, le père Fouras, oui. Oui, eh bien, attention parce que je vais vous parler une énigme. Ça va être l'énigme. Alors attention. Attention parce qu'il faut bien répondre à l'énigme si vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas repartir, mon premier est une cartouche
de quatrième génération. Mon deuxième nécessite des mouvements circulaires avec mon stylet. Mon tout est un jeu vidéo produit par la Moquette TV, diffusé par la Moquette TV. Très bien. Bah écoutez, je vote pour Pokémon Ranger, Père Fouras. Oui, bon, d'accord, c'est le... Oui, d'accord, vous avez gagné. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais j'en ai marre des Liputou. Non, vraiment, mais arrête de faire de la merde, Moquette, parce que des petites secondes de perdu comme ça, là, à faire du caca, là, eh ben, c'est des secondes en moins. Quoi? Non, me recharge pas. Quoique, ça pourrait pas me faire de mal, hein. Vu à quel point je suis dans un état un peu grave en termes de point de vue. En termes de point de vie, ok, très bien. On va sauvegarder histoire de faire genre on a fait des choses dans notre vie. On a fait des choses dans notre vie. Et la mise au point là. Ok. Mais non, mais je veux faire Goopix! Oh, ce jeu est complètement débile. Voilà. Brûlure. Alors par contre, je suis complètement décontenancé. J'ai envie de faire un coup de gueule. On le passera peut-être tout à l'heure, le coup de gueule, mais c'est vrai qu'il y en a un à faire quand même. Parce que savez-vous... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Mission, trouver la gemme bleue. Incroyable. Salut Yo, ça va? Incroyable, mais vrai. Oh, des spectrums, attention. Non mais, si vous voulez, tout à l'heure, je suis tombé de menu. En fait, c'est des choses qui me font peur, quoi. Tu vois, c'est des choses qui me font peur. Alors après, je suis d'accord. Ah, putain, mais... Qu'est-ce donc? Ah oui, d'accord, il crée des spectres. En fait, il crée des spectres et je peux pas les toucher. Non, mais en fait, si vous voulez, je suis d'accord qu'on n'est pas tous cinéphiles, tu vois. Ça va bien. On n'est pas tous cinéphiles, je suis d'accord. Mais il y a des choses, quand même... Il y a des choses que j'ai du mal à accepter dans la vie, tu vois. À un moment donné, je suis d'accord, YouTube, c'est la liberté. Mais à un moment donné, il faut qu'on finisse par comprendre que la liberté n'est pas un concept pour l'homme. D'ailleurs, ça devrait être un sujet de philo. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que l'homme est vraiment libre, hein? Ah putain, est-ce que la véritable liberté existe pour l'homme? Par contre, j'en ai marre, je suis en train de me faire... péter le cul par un spectrum. Non, en fait, j'étais décontenancé parce que tout à l'heure, je voulais regarder une fucking... En fait, je cherchais l'extrait de Pulp Fiction sur YouTube. Allez voir, hein, c'est hilarant. Je cherchais la scène de... Putain, la vie de ma mère. Je cherchais la scène de danse de Pulp Fiction. Parce que j'avais envie de la revoir, comme ça. Tout, je la trouvais hilarante. J'ai regardé, il y a pas longtemps, une vidéo de In the Panda. Ah mais oui, c'est le jeu de ses morts. Et donc, je suis allé voir la scène de danse de Pulp Fiction. Et il s'avère que, putain de merde, la zone de commentaires... Salut Peter Lard, ça va? La zone de commentaires est un lieu de guerre. Parce qu'apparemment, il y a énormément de gens qui ont découvert Pulp Fiction et apparemment cette scène de danse grâce à Twice, tu vois. Twice, alors pour ceux qui ne savent pas, Twice, c'est un groupe de K-pop. Très réputé. Et apparemment, certains membres des Twice auraient fait une danse par rapport à ça. Je sais pas, ils auraient repris apparemment cette scène de danse de Pulp Fiction. Mais pourquoi je capture un Goopix? C'est pas ça qu'il me faut. Et apparemment, du coup, l'espace commentaire s'était rempli de « Ouais, on est là grâce à Twice, ouais, Pulp Fiction, j'ai découvert Pulp Fiction grâce à Twice, ouais, bravo, merci Twice, m'a fait découvrir ça, oh là là, qui est là grâce à Twice et tout. » Donc en fait, t'as la moitié des commentaires, c'est les gens qui disent ça, c'est des fans de K-pop qui balancent ça. Et les 50% restants, c'est des « Mais bordel de merde, mais fermez-la les gens qui aiment la K-pop, fermez-la les gens de Twice, on est là pour Pulp Fiction, on est là pour la beauté du cinéma, on s'en bat les couilles de Twice, ça n'a rien à foutre là. » C'est hilarant. Allez voir, hein.
allez voir, vous tapez Dancing Sen Pulp Fiction, c'est hilarant à quel point c'est pas du tout un lieu d'amour du cinéma et tout de Tarantino. C'est la guerre absolue. C'est la guerre absolue. Voilà, je me suis soigné, je suis content. D'un point de vue théorique, non, on n'est pas vraiment libre. Bah, c'est vrai que la liberté, c'est... En fait, la liberté, c'est assez... C'est très compliqué comme débat, selon moi, parce que... Putain, la vie de ma mère. Parce que... Pourquoi Marine Ford? Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai parlé de Marine Ford. Parce qu'en fait, la liberté, c'est... Tu sais, c'est un peu comme la perfection. C'est-à-dire que... Ça dépend. Putain, la vie de moi, je vais m'énerver. Non, ne t'énerve pas. Ça dépend des gens, quoi. Tu vois, la liberté, c'est quoi exactement? Tu sais, 100% des gens va te répondre, bah, c'est pouvoir aller où on veut, quand on veut. Tu sais, 80% des gens va te répondre ça, c'est ça la liberté. Sauf que, est-ce que c'est vraiment possible, concrètement? Est-ce que c'est vraiment possible? Et donc, sinon, est-ce que la liberté existe vraiment? D'un point de vue logique, tu vois, la liberté, c'est plusieurs degrés. C'est de il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs définitions, donc c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Sbire, sombre, héros, c'est un cul-de-sac de ce côté, incroyable. Ouais, alors encore une fois, désolé hein, que le live commence un peu plus tôt que d'habitude, mais c'est que j'ai envie d'en finir avec ce jeu le plus vite possible. Alors, on est pas à la fin, hein, on n'est pas à la fin, mais c'est vrai que j'en peux plus, quoi. C'est vrai que je suis un peu au bout, je prends des antidépresseurs hein, depuis qu'on a pas mal avancé dans le jeu, depuis que je me suis rendu compte que oui, ce jeu est complètement... dépourvu de sens, enfin d'amusement. Le fun n'est pas là, hein. C'est-à-dire que les développeurs, quand ils ont fait le jeu, ils se sont dit, alors tout le fun, on l'enlève. Tout le fun, vous le mettez dans Pokémon Dash. Hein. Il y a plus de fun dans Pokémon Dash que dans ce jeu, apparemment. Eh, cet uniforme! Comment il s'appelle déjà? Ah oui, le Pokémon Ranger, vous voulez un Eskimo? Quoi? Qu'est-ce qu'un Ranger fait donc ici? Ah, Malcolm, incroyable série. Incroyable série. Pas d'indice, pas de réponse, pas de mystère. T'as vu un Ranger sur Switch. Incroyable. Le jour où ils font ça, je ne l'achète pas. Hein. Je m'en vais, hein, concrètement. Je renie. Je renie, tout simplement. Est-ce que quelqu'un peut me refaire un listing, d'ailleurs, pour s'il y en a qui savent, des jeux qui sortent en 2019, hormis Kingdom Hearts 3, hormis Pokémon la 8G, World Seeker, One Piece World Seeker, Resident Evil 2, dont je m'en fous un peu, mais quoique, ça peut être un moyen de le découvrir. Est-ce que quelqu'un sait ce qui sort en 2019 en termes de jeux vidéo? Parce que pour moi les vraies sorties, c'est Kingdom Hearts 3, donc c'est-à-dire dans 20 jours. Pokémon 8G, donc, dont on n'a pas la date, ça, rien n'est à exclure que ça soit pas en 2019, en 2020, pardon. Et World Seeker, qui est plus un jeu que j'attends pour en mode fanboy, tu vois, que ça sera pas, à mon avis, un pilier du jeu, mais... Quoique, le dernier trailer fait très envie, hein. Je sais pas si vous avez vu le dernier trailer de One Piece World Seeker, ils ont sorti un trailer de 4 minutes, le truc qu'il aurait fallu sortir au début, tu vois, mais bon, il sort ça vers la fin. En même temps que la date, hein, je crois que le jeu, c'est mars qui sort, je crois. Et en même temps que ça, ils ont sorti une vidéo de 4 minutes qui présente non seulement le scénario, mais qui présente aussi du gameplay. Putain, mais c'est insupportable! Et ça donnait un peu plus envie. Mais sinon, hormis ça, je sais plus ce qui sort en 2019. Je crois, voilà. Faut prendre des risques, Moquette, dans la vie, putain! Voilà. Voilà. Non. T'es mort. Ah, mais moi j'adore Malcolm. C'est vraiment une série qui me fait foncièrement rire, honnêtement, et qui continue de me faire rire, en fait. C'est surtout ça. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est-à-dire que le truc, tu peux le remarquer, me mater 10 fois, je vais toujours rigoler, quoi. Alors pas si je mate 10 fois à la suite, tu vois, enfin, forcément. Mais tu sais, quand tu te plonges dans un épisode de Malcolm, t'as toute une ambiance qui te fait entre... Enfin, même s'il y a des épisodes que je connais par cœur, l'entourage de l'épisode, tu sais, le contexte et tout, la façon de plonger dans la série, ça me fait un peu... Enfin, tu sais, ça me fait redevenir innocent, et ce qui fait que je me prends à l'ambiance du truc, et du coup, il y a des blagues qui, même si je les connais, ça fonctionne encore sur moi parce que tout le contexte autour est trop bien fait, quoi. Quoi? Comment tu peux oublier ça, Younes?
c'est un peu la base. Le DLC de Spider-Man qui est très cool, hein, d'ailleurs. Je repense à Donald Renew, là. Là, pour les... Je sais pas si c'est pour les fins d'année ou quoi, mais les DLC, le pack DLC, le Season Pass, était à 12€ au lieu de 20, je crois. Du coup, j'ai foncé dessus. Et j'ai fini le premier épisode, et putain... Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai qu'il y a le combat de Fire Jump, là. Jump Force, pardon. Fire Emblem 3 et Luigi's... Oui, c'est vrai qu'il y a Luigi's Mansion. Putain, mais la vie... Mais c'est insupportable. C'est insupportable, c'est les Pokémon qui te foncent dessus. Dewey, meilleur personnage. Je sais pas lequel c'est le meilleur personnage de Malcolm. Mais c'est peut-être Dewey, ouais. C'est peut-être Dewey. Putain, on est dans la cuisine, incroyable. On est dans la cuisine du film 12 de Pokémon avec Arceus. Quel est le meilleur personnage de Malcolm? C'est une bonne idée. C'est une bonne question, ça. Bon, alors, non. Pour moi, en vrai, pour moi, je pense que c'est Hal. Pour moi, le meilleur personnage. Pour moi, c'est pas Malcolm, déjà. Malcolm, c'est un des... En vrai, hein, je le pense sincèrement, pour moi, Malcolm, c'est un des... le personnage, hein, c'est un des points faibles à force de la série. Dans le sens où... je trouve que, c'est un personnage profond. Genre, il y a plein d'épisodes sur Malcolm qui sont bien. Hein. C'est un personnage assez profond, qui est assez intéressant dans son écriture. Mais le truc, c'est qu'il y a trop d'épisodes... Il y a trop d'épisodes, je trouve, où Malcolm a trop la même mentalité. Tu vois, Dewey, Riz, ils ont la même mentalité, mais... Enfin, Riz, surtout, oui, il a la même mentalité et tout, parce que c'est un mongol, tu vois, il va pas vraiment évoluer, il évolue pas vraiment dans la série. Mais Malcolm, c'est un personnage qui devrait évoluer. Et je trouve qu'il évolue pas tant que ça, il est trop plaintif. Après, ça va dans l'écriture du personnage, je suis d'accord, mais je trouve qu'il est trop dans la plainte, il est trop, mais 100% à être en mode, mais je suis meilleur que tout le monde et tout. Et en fait, il en devient presque aigri, et je me souviens que vers les derniers épisodes, il est tellement aigri qu'il passe plus de temps à faire des conneries avec Riz qu'à faire des choses bien, quoi, tu vois. Et c'est dommage, je trouve. Mais je pense que c'est Hal le meilleur personnage. Parce que le mec, mais... Oh, il a des délires, c'est trop stylé, quoi. Incroyable, mais vrai, un Raichu. Pokémon, le film, d'ailleurs, le prochain film qui sera 100% en CGI, hein, ça fait peur. Hein. Et ils ont sorti un premier... Alors, on le savait déjà, hein, mais ils ont sorti un premier teaser, là, il y a quelques jours. Et bordel de merde, ça fait peur. Hein. Enfin, c'est pas que ça fait peur. Genre, les Pokémon doivent être bien faits, tu vois, en CGI. Même si ça fait bizarre, tu vois, de passer de dessin à ça. Mais je me dis, mais putain, les personnages... Est-ce que les personnages, genre Sacha, les personnages et tout, ils vont être en CGI aussi? Ça fait peur. Il préfère être quelqu'un normal avec... Ah non, je suis pas d'accord. Non, putain, j'ai relâché Raichu. Je suis complètement pas d'accord avec toi, Younes. Malcolm ne préfère pas être quelqu'un de normal. Parce que, justement, il passe son temps à rabaisser les gens. Il passe son temps à rabaisser les gens parce qu'il sait mieux que tout le monde. Et d'ailleurs, il y a un épisode qui le prouve très bien. C'est l'épisode... alors, je crois que c'est dans la saison 7. L'épisode où il y a la grand-mère qui amène une petite amie et qui veut l'offrir à celui qui va réussir le plus de défis. Donc, t'as Malcolm et t'as Riz. Et qui doivent faire plein d'épreuves pour comment dire, pour obtenir la meuf, quoi. C'est celui qui gagne le plus d'épreuves qui remporte le droit de se marier avec la meuf. Et Malcolm dit bien, non mais moi je veux, enfin au début il est en mode non mais j'en ai rien à foutre de ce concours de force. Et après il dit, mais après en fait ça l'insupporte tellement que Riz puisse être meilleur que lui dans des défis à la con, qu'il se met à participer lui-même au truc. Donc non, pour moi, il préfère pas être normal, Malcolm. Est-ce que toi, t'es un level 4? Non, t'es un level 1, espèce de taré. Ah, Hal égale Hal, hein. Enfin, supérieur à tout, hein, c'est vrai. C'est bien vrai, ça. Oh, il y a un Smogogo. C'est quoi ce manoir incroyable? On se croirait dans le manoir des Yeti dans Twilight Princess. Les décors sont stylés, hein, mais...
Ouais, c'est vrai que c'est un perso contradictoire. Après, peut-être que son écriture va justement avec le fait que c'est un personnage ultra frustré, hein, Malcolm. C'est terrible. C'est une série. Oh, un Draco! Putain, mais il est shiny, on dirait! Il est pas shiny? Je dirais qu'il est shiny. Non mais attends. J'arrive pas à déterminer. Bon, attends. Parce que je suis pas sûr qu'ils soient violés, les Draco Shiny, de toute façon. Mais ça n'aurait aucun sens que je trouve des Shiny là-dedans, quoi. Dans le pire jeu Pokémon. Mini Draco. Putain, mais si, il est... Putain, c'est trop bizarre parce que dans le Dex là il a la couleur un peu normale alors que en vrai j'ai l'impression qu'il est déjà shiny mais ça n'a aucun sens putain de merde. Ouais c'est ça c'est un filtre chelou. Et puis... Non ouais non il est bleu. Ouais ok. Non ouais c'est un filtre chelou ouais, vous avez raison. Ouais non il est pas shiny. Ouais mais je sais pas, je le trouve pas très bleu, tu vois, un mini Draco normal c'est censé être bleu, tu vois, genre. C'est bizarre. Oh putain, faut un Goopix. Fait chier la vie de ma mère. Très bien. J'adore ma vie, hein. J'adore vraiment ma vie. J'adore ma vie! Tiens d'ailleurs ce bientôt. Alors bientôt, ouais, je sais pas. Bon, elle est faite, hein. Elle a été écrite, tournée, montée. Elle est complètement prête. Mais bientôt, je vais sortir une vidéo un peu théorie One Piece. Pour une fois, alors que d'habitude, j'en fais pas, hein, tu vois. Mais celle-là, elle est assez particulière. Elle est assez particulière. Et parce que j'ai. En fait, c'est une théorie que j'ai rêvé, quoi. Enfin, vous verrez ça, mais par contre. Enfin, j'ai rêvé de la fin de One Piece, en fait, d'une partie de la fin de One Piece. C'était très, très, très perturbant. Parce que j'en ai parlé à plein de gens. Enfin, à plein de gens. À 3-4 personnes, et ils étaient tous en mode, mais attends, mais ouais. Enfin, ouais, c'est pas con comme idée. Enfin, je vous en parle pas parce que, Primo, faut pas que j'en parle si vous en êtes pas au début de Wano Kuni. Et Deuxio. Et Dezio, enfin je veux pas spoiler tout simplement, il n'y a pas de Dezio en fait, c'est que j'en parle pas pour pas spoiler. On dirait qu'il est shiny. Hein. Ah ouais non, non en vrai, je pense que c'est effectivement l'ordi. Parce que, en fait, sur ma DS, je sais pas si vous voyez bien. À mon avis, ça se verra pas. Mais non, ça se verra pas, à mon avis. Mais sur ma DS, il est beaucoup plus bleu. Il est beaucoup plus bleu que sur mon. Donc, en fait, non, c'est effectivement une affaire de colorimétrie. Mais ouais, sur ma DS, en fait, il est plus bleu. Il est vraiment plus bleu, alors que là, il est vraiment violet. C'est bizarre. Donc c'est pas un shiny. Très bien, bah niquez-vous. Ouais, non mais ouais, c'était fort. Non mais en fait, le plus fortiche... Parce que déjà, rêver de la fin de One Piece... Déjà, rêver de la fin de One Piece, déjà, c'est fort. Mais ce qui est beaucoup plus fort, c'est le fait que... Tu sais, souvent, quand tu fais un rêve, t'as des trucs qui n'ont absolument aucun sens qui viennent se greffer dans ton rêve, tu vois. T'as des trucs qui sont en mode... Enfin voilà, il y aurait pu y avoir l'arrivée de Sangoku, j'aurais pu être présent dans le récit, j'aurais pu. Enfin, tu sais, souvent quand tu fais un rêve, il se passe des trucs qui n'ont au final pas de sens. Tandis que là, dans mon rêve, il y avait tout qui avait du sens, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Et
c'était une construction qui tenait la route, quoi. Et genre, vous verrez, genre, je le dis, enfin, vous verrez, pour ceux qui veulent pas être, pour ceux qui en sont à Wano, je le répète et tout, je le répète justement exprès dans ma vidéo, mais c'est vraiment une histoire que j'ai lue nulle part, quoi. C'est vraiment mon cerveau détraqué qui a monté cette histoire lui-même, et etc., quoi. Allez, mon pote. J'ai ton putain de Goopix, donc maintenant... T'as réfléchi durant ton rêve. Bah ouais. Ou avant, moi. Ouais, je sais pas. Mais ouais, c'était très spécial, quoi. Très spécial. Moi, je rêvais que j'incarnais ma fille. Ah, c'est stylé, ça. C'est stylé. Arlong Park. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh non, ça va être encore une épreuve à la con. Ah, quelles étaient les incohérences? Oh là là, ça va être chiant. Ah, parce qu'en plus, je tombe. Oh, mais c'est super. Mais j'adore ça. Mais j'adore vraiment me taper les couilles. J'adore me taper les couilles avec le plat d'un ciseau. Genre, on était juste avec Octi, je m'étais pris de... Ah oui, d'accord. Intéressant. C'est original, on va dire. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je sais plus du tout par où faut aller, la vie de ma mère. Ah si, c'est par là, je crois. Allô? Oui, c'est par là, je crois. Allô? Putain, ça a l'air super fun, bordel, comme parcours. Putain! Mais je suppose qu'en plus, il n'y a pas de Pokémon qui va m'empêcher de glisser, quoi. Genre, faut vraiment que j'y aille... À mon skill légendaire. Non, mais ça aussi c'est un trou. Très bien. Bah en même temps, il y en a un qui est fait de caoutchouc, l'autre non. tu vois ce que je veux dire? Il y en a un, les blessures, bah par définition, il en ressent moins, tu vois. Et l'autre il peut. Il y a aussi ça. Par contre, depuis le nouveau monde, pas vraiment. Enfin, Zoro, concrètement, est-ce qu'il s'est déjà... Enfin, en fait, honnêtement, est-ce que Zoro s'est déjà pris une blessure depuis le début du Nouveau Monde? Parce que à l'île des Hommes-Poissons, là, c'était une balade, enfin, une promenade de santé, alors que Luffy, lui, il s'était pris plusieurs morsures de Audi, et puis, tu sais, enfin, je me souviens, à un moment, il fait le Gatling contre l'Arche, et puis t'as cette blessure qui se rouvre. Donc dans Fishman, pour moi, Luffy a plus souffert que Zoro. À Punk Hazard, l'un comme l'autre, je pense pas qu'ils aient beaucoup souffert. À Dressrosa, Zoro, il a que dalle. Il a que dalle, absolument que dalle, alors que Luffy, il prend quand même un peu cher au niveau fatigue. Et à Whole Cake, bah, il prend la tannée, Luffy. Donc, en vrai, depuis Nouveau Monde, pas vraiment. Hein. Ah, il a pas eu d'adversaire à la hauteur complètement. Salut, Hirooji, ça va? On arrive bientôt à la fin du combat Katakuri, d'ailleurs,
en anime. J'ai relu en scan, enfin dans le tome là, mais oh là là, j'ai tellement hâte qu'en anime, enfin de voir le résultat en anime. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est effrayant. Mais de toute façon, c'est sûr, à Wano, il va, pour la première fois, il va vraiment avoir du lourd, quoi. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. À Wano, ça va être le. Son premier vrai combat du nouveau monde, tu vois. Parce que jusque-là. Jusque-là, il s'en bat la race, quoi, Zoro. Il s'en bat la race. Ah oh, putain, mes yeux. Oh, un Aquali! Oh, il est beau! Ouais, vous voyez, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil. Moi, il est vraiment bien bleu. Il est vraiment bien bleu sur ma DS. Alors que là, il est un peu vert, non? Il est un peu. On a l'impression qu'il est pas bien. On a l'impression qu'il est pâle. L'homme pâle. Alors que vraiment, sur ma DS, il est bleu. Donc, ouais, c'est vraiment une. Par rapport à la colorimétrie des paramètres, quoi. Un fenard. Tiens, je vais prendre un fenard parce qu'à mon avis, on va encore avoir besoin de feu. À mon avis, Trafenard, qu'est-ce qu'il est beau. Par contre, ça c'est pas cool ça. Oh putain. Putain, il a une putain de vie d'enculé, Fenard! Ah mais quoique, oui, de toute façon, il nous faut un. De toute façon, il nous faut un feu niveau 3 pour le glaçon là. Donc ça se trouve, c'est un Fenard qu'il nous faut. Voilà. Ouais, mais c'est pas par... Ouais, mais c'est pas vraiment pareil. Parce que en soi, Usopp, on sait tout ce qui lui est arrivé depuis sa naissance. Sanji, non. Enfin, Sanji, c'est pas pareil. Sanji, on a pu l'approfondir parce qu'il y avait une période de son passé qui était pas claire. C'est-à-dire qu'on savait pas comment il est arrivé sur le bateau, etc. Alors que Usopp. De ce que je me souviens, on le voit tout petit dans son village, il a jamais bougé de son village, on le sait, et à partir du moment où il a perdu sa mère, enfin à la limite, ce qui nous manquerait, c'est genre des passés, des flashbacks avec son père, tu vois, genre comment, de voir comment était son père par rapport à lui. Mais sinon, sinon je vois pas ce qu'on peut. Mais voilà, c'est ça, il nous fallait Fena. Sinon je vois pas ce qu'on peut approfondir. Ah mais Aqualid, t'es mort. Bon, Aqualid, tu me casses les couilles. Ah bah oui, mais du coup, ça serait pas des flashbacks vraiment centrés sur Usopp, du coup. Parce que tu demandes un arc dédié à Usopp avec des flashbacks sur lui, mais le truc c'est que, Usopp ne peut pas créer des souvenirs. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Faudrait demander à Gigi, c'est lui qui a vu ça le plus récemment, mais je me souviens plus. Je me souviens plus à quel âge Yasop il part il se sépare de Usopp. Parce il me semble que c'est tôt hein, que Usopp se sépare de son père. Mais je me souviens plus s'il y a beaucoup d'années ou s'il l'a à peine connu. Ou... Je me souviens plus. Enfin, j'ai le tome sous les yeux là, mais bon. Alors, j'ai un peu la flemme de le sortir, vous comprenez? Vous comprenez un peu le bail? Putain, demain faut que je bosse. Faut que je bosse demain, faut que je bosse. Hey Spectrum, tu me casses les reins. Tous les gens, ils vont nous casser les couilles, celui-là. Hey, Fenard. Voilà. Alors attends, est-ce qu'il n'y a pas un autre Raichu dans le coin? Ah Ranger, plus ça va, plus c'est dur. C'est dur de supporter le jeu. Ça va que je finisse ce que je commence, mais... Oula, à mon avis, il y a un boss pas loin. Est-ce que je me recharge en...
En Raichu, où est-ce que j'attends? Je vais peut-être attendre. Ouais, non, ça va, j'ai pas perdu tant de PV que ça. Ah ouais, je trouve vraiment le jeu. Je trouve le jeu mal branlé, hein, vraiment. Oula, qu'est-ce que se passe? Attends, ça glisse, ok, j'ai compris, ça glisse. Un ski! Mais faut aller où alors? Allô? Ah, peut-être là-dessus, non? C'est quoi ça? Ah oui, ok. Ah, d'accord. Non, mais tu sais, Ranger 2, on dirait les. On dirait des fois. On dirait, putain. On dirait des fois les jeux insupportos qui font n'importe quoi avec la caméra que peut tester le joueur du grenier des fois, tu sais. Genre véridique, hein, enfin je sais pas si tu te souviens, mais genre juste avant. Genre. Bah ouais, l'histoire a rien. L'histoire, bon, à la limite, pourquoi pas, même si elle est pas. Y a pas grand intérêt, mais même, enfin, au niveau des. Putain. Genre juste avant là, il y avait une phase avec de l'eau, c'était insupportable, j'ai mis trop de temps. Où t'es sur ton pingoléon et il faut que tu navigues dans un labyrinthe de vagues là. Et c'est insupportable parce qu'il y a des fois, la caméra ne te laisse pas le temps, n'a pas assez avancé pour te faire voir ce qu'il y a. Parce que tu sais, si tu te prends certains tourbillons ou je sais plus quoi, tu recommences du début. Déjà, ça c'était insupportable. Mais en plus, le truc c'est que quand tu avances, la caméra ne te laisse pas le temps de voir. La distance qu'il y a avant un autre tourbillon. Ce qui fait que des fois, t'es obligé de te faire piéger pour recommencer du début et pour anticiper les trucs. Et ça, c'est le genre de truc que je trouve insupportable. Oula, 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 oula. Puis ouais, il y a des énièmes allers-retours des fois qui sont un peu. Putain, aïe! Ils sont un peu chelous. Oh putain, mais je me prends. Ah bah c'est peut-être pour ça, hein, parce que vraiment le jeu. Mais attends, mais. Ah mais non, ok, on était là-bas tout à l'heure. J'étais en mode, mais attends, mais on est revenu sur nos pas, mais non, non, non. Ah, un autre Raichu, ça c'est bien. Quoi? Oh non, non, non. Incroyable. Ah, oh, incroyable, le retour du symbole Oméga Saphir. Et la boudra par le step et le dos. Juste du grand patron, ils ont toujours raison. Pas de vas-y, je veux dire une promotion. C'est bien vrai. C'est bien trop vrai. C'est trop humiliant. Ah non, mais par contre, j'aimerais bien. On va très bien. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais il y en a combien? Mais putain, mais c'est des mitraillettes! Genre ça, c'est le fun, tu vois. Genre ça, c'est le fun. Genre ça, c'est un... C'est... Voilà, c'est le... Les mecs, ils développent ça, ils se disent, amusez-vous. Oh, mais putain! Non, en vrai, ça va, ils sont faibles, hein, mais. Un Poképark, du peu que j'en ai vu, oui. Non, mais ça a l'air beaucoup moins. Enfin, il y a des trucs, c'est tellement cancer dans le jeu, genre. Genre, voilà, un exemple aussi.
un exemple aussi con. Un moment pareil, tu sais, t'es accroché à des lianes et t'as des scorplanes qui t'arrivent dessus et qui, quand ils te foncent dessus et qui te touchent, ça te fait perdre prise. Sauf que des fois, la caméra n'a pas le temps de te montrer où il est, que le truc te fonce dessus et du coup, tu peux pas l'esquiver. Puis même, je sais pas, y a des donjons, des fois, c'est tellement étroit et genre. Et tu sais, des fois, t'as 3 ou 4 personnages, t'as 3 ou 4, t'as 3, 4, 5 Pokémon autour de toi. Et du coup c'est un bordel parce que dès que tu bouges pas et tout, enfin t'as tous les Pokémon, t'as tous les sprites autour de toi et des fois tu vois même plus ce qui est un. T'en as qui te foncent dessus et tout, tu sais même plus si ils appartiennent à ton équipe ou si c'est des sauvages. Ils avaient pas assez mis de Granypio dans l'animé, dans l'extrême, donc ils ont dormi. Bah écoutez, toujours plus quoi. Hein, c'est vraiment ça quoi, ce qu'il faut retenir moi je pense. Je pense vraiment que c'est ça ce qui nous motive chaque jour. Merci Raichu. Il est un peu gros le Raichu. Hein. Il a des grosses grosses papattes, on dirait un gros, je sais pas, mais il a l'air enveloppé. Ah putain. Hop, ça dégage. Ouais, bah je sais pas, mais il y a plein de trucs comme ça, je suis en mode. Hein? Attends, je suis où là? Château d'Almia. Le château. Ah mais non, mais moi c'est ce que je disais en début de live. Hein. Moi je suis triste et je m'en veux, tu vois. Mais je pouvais pas savoir, tu vois. Mais je suis triste et je m'en veux que ce jeu fasse partie de la dernière saison, tu vois. Ça va qu'après, on fait Code Lyoko, le magnifique. Mais c'est vrai que comme dernière saison, bon, après, tu vois, j'essaye de. Après, tu vois, j'essaye de rendre ça fun et tout. Et au final, c'est fun, tu vois. Pour une fois, on fait un jeu qui est pas très cool. Parce que c'est vrai que en règle générale, dans la Mocap TV, on a fait des jeux quand même sympas. Donc voilà, au moins on en a testé un qui nous fait vibrer, mais dans le mauvais sens du terme. Mais c'est vrai que comme dernière une un des derniers jeux. Mais Code Lyoko, j'ai trop hâte de le faire. Mais ouais, mais Ranger, je pouvais pas savoir parce que je l'ai jamais fait. J'avais un bon souvenir du 1 et que s'est-il passé? Bah je. Après, tu me diras Code Lyoko, c'est un peu pareil. Hein, mais je l'ai fait qu'une fois. Mais au moins, je l'ai fait, tu vois. Et bordel, j'avais kiffé. Hein. Mais après, à voir. Hein, ça se trouve. Non, je vais pas faire le 3. Je vais pas faire Ranger 3. Hein. Ah putain, il faut du feu. Putain, mais il y a trop de Raichu, c'est trop bien. Il y a trop. Allez, on se fait un petit élevage de Raichu. Ah, mais on se sent en sécurité avec les Raichu, je trouve. Hein, tu vois, leurs petites bouilles toutes mignonnes là. Oh là 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 là. Ils sont adorables. Allez, toi aussi, tu viens avec moi. T'as pas le choix. Mais c'est que t'as pas le choix. C'est Loïs qui dit ça dans je sais plus quel épisode. Mais c'est que t'as pas le choix. Mais je l'ai jamais fait en let's play, en walkthrough Code Lyoko sur DS. Ah mais je sais qu'il y a Latias Latios, hein. C'est d'ailleurs le seul truc qui me ferait acheter le jeu. Hein. C'est le seul élément où je me dis, allez quoi. Bon allez, le faux shiny là, il dégage, il sert à rien. Oh putain, ils sont trop drôles tous les Raichu derrière moi, putain, yes. Il y en a trop, j'adore. Ça c'est cool. Là, on a trouvé un bon élevage. Ah non, non, j'ai dit plein de fois et tout quand j'ai partagé l'image et tout. Non, non, c'est celui sur DS que je vais faire. Mais celui sur DS, il est tellement cool. Parce que, en vrai, parce que, alors voilà, oui, effectivement, j'ai lancé ma nouvelle émission gameplay. Et en vrai, hein, je pense bientôt à faire. Je vais bientôt faire le plongée vers l'infini. Il va bientôt passer dans l'émission. Et objectivement, parce qu'à un moment donné, il va falloir essayer d'être objectif, tu vois. Genre, enfin, je vais être en mode, ouais, en tant que fanboy, c'est cool, mais après, la note qu'il va avoir, à mon avis. Puis je te file le jeu.
Bah, celui sur DS, en vrai, j'ai des. Alors, les phases de Lyoko, j'en ai quelques souvenirs. Je me souviens quand dans le cinquième territoire, fallait faire des énigmes qui étaient un peu chiants. Mais en vrai, celui sur DS, en termes de kiff, après avoir, tu vois, après avoir, on découvrira ça ensemble, comme dernier jeu de la Moquette TV. Mais dans mes souvenirs, celui sur DS, il était vraiment mieux narrativé que celui sur Wii. Parce que celui sur Wii, ça raconte la saison 4 de façon un peu malgache, je trouve. Et surtout que, à part sur Lyoko, t'as rien à faire. Alors que au moins, celui sur DS, tu te balades dans absolument tous les lieux connus de la série, quoi. Ça, c'est un truc que je kiffais. Après, peut-être que ce sera pas ouf, tu vois. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, c'est un truc que j'adorais, quoi. Genre, tu te balades dans tout Kadik, dans les coins avec la forêt, dans les coins avec l'ermitage, dans la vie, dans certaines rues. Tu vas jusqu'à l'usine, tu vas dans les égouts, tu parcours l'usine. Et surtout, ce qui est cool, c'est que le jeu retrace la saison 1 et 2, quoi, tu vois. Genre, je trouvais ça stylé que le jeu te raconte vraiment enfin, deux saisons, quoi. C'est même pas concentré que sur une saison, c'est-à-dire que t'as vraiment les deux, quoi. Les trois, je suis pas sûr. Je crois que c'est vraiment que les deux premières. Ah, oh, si, 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 autant. Ah oui, non, mais oui, voilà. Objectivement, il est complètement mais le plongée vers l'infini. Mais celui sur DS, en fait, celui sur DS, j'ai plus de bons souvenirs que celui sur Wii, quoi. Et au niveau OST aussi, il est très très cool, celui sur DS. Il y en a beaucoup plus, il me semble, que celui sur Wii. Genre, il y a toutes les musiques angoissantes et tout, genre. Enfin, en fait, s'il y a un gros catalogue d'OST de disponible de la série de Code Lyoko, de la série en général, c'est grâce notamment à l'épisode DS, quoi. Ah oui, mais celui sur DS, sûrement qu'il est aussi. Mais enfin, pour moi, les deux jeux sont pas ouf, mais c'est vrai que le celui sur DS, j'ai plus de bons souvenirs. Mais après, oui, à mon avis, j'embellis le truc. Hein. Enfin, à mon avis, il sera pas aussi bien que ça. Bonne année, bonne santé, minuscule. Mais plongé vers l'infini, objectivement, il est pas dingue, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'était aussi les phases de translation. Ça, c'était cool dans celui sur Wii, avec les boss. Ah, et puis ce qui était cool aussi sur Wii, c'était quand même le territoire du volcan, là. Le truc aurait complètement pu coller au colosse. Enfin, c'est ça qui est ouf, en fait, quand t'y penses. C'est ouf quand t'y penses, parce que le colosse, t'as l'impression clairement que c'est un monstre qui vient du territoire du volcan, sauf que le volcan existe que dans le jeu vidéo, et que le colosse existe que dans la série. C'est quand même bizarre. Genre, t'as l'impression que les mecs, ils ont eu une idée, mais ils se sont dit, ouais, mais non, ça c'est que pour le. C'est que. Enfin, on n'a pas le temps de mettre un autre territoire. Ah bah, et donc, du coup, ils se sont dit, ah bah, ok, bah, peut-être qu'on peut le mettre dans. On peut le mettre dans le jeu, au pire. Alors, il me faut un autre Goopix. Incroyable. Oh là là, les Kaymorphs. Mais en tout cas, au moins. Contrairement au plongée vers l'infini, ce qui va être bien avec celui sur DS, c'est qu'au moins on va pouvoir revivre les épisodes de la série, tu vois. Parce que genre le plongée vers l'infini, il retrace pas les épisodes, il retrace l'intrigue de la saison 4, mais il retrace pas les épisodes un par un. Alors que celui sur DS, c'est vraiment plusieurs épisodes qui sont vraiment adaptés dans le mode histoire, quoi. Et ça, c'est cool. Par contre, ouais. Ah voilà un autre Goopix, très bien, incroyable. Je me rappelle qu'il paraît que le projet RG retrace des idées qu'il devait mettre dans la saison 5, qui devait sortir, car oui, c'est pas en deux saisons. Ah oui, d'accord. Ah ouais, bah ouais, ça, ah bah, ça serait complètement cohérent du coup par rapport au territoire du volcan. Ah ouais, ça devait être séparé en deux saisons. Oh là là, là. Stylé. Ouais, mais du coup, ça aurait fait deux courtes saisons, un peu comme la 3, c'est ça? À la 4. Hein. En 2019, faut que je me marathonne Code Lyoko. À la 4, mais. J'étais tellement pas bien à la sortie de la 4, quoi.
Parce que tu sais, déjà quand j'étais gosse, de base, Code Lyoko, le concept, je le trouvais. Salut Joy-Kun, ça va? Parce que de base, Code Lyoko, je trouvais ça assez mature pour un dessin animé. Et genre, la saison 4, c'est encore pire, quoi. Enfin, c'est. Je sais pas. Après, c'est toujours dur pour moi d'être objectif par rapport à Code Lyoko, mais enfin, pour moi, quand tu fais la liste des dessins animés de l'époque, mais pour moi, il y a pas photo que c'est l'un des plus sérieux, des plus matures, quoi. Genre, enfin, il y a des trucs, mais Xana, il avait des plans tordus, quoi. Tu risques d'un peu galérer. Ouais, effectivement, j'ai souvenir que le Code Lyoko sur DS était pas ultra simple. Ça, j'ai souvenir aussi. On verra, hein. Par contre, je sais plus où il faut que j'aille. J'aime ma vie. Oula, 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 oula. C'était peut-être pas si loin. Comment c'est loin? Ça va et toi? Ouais, et puis le problème aussi dans celui sur DS, c'est qu'on n'aura pas les doublages, quoi. Merci ça t'amuse pour le follow. Merci beaucoup à toi. Genre le Bucks qui devait se crasher sur une centrale nucléaire pour la faire. Ouais, non mais c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud, c'est horrible, c'est complètement horrible. Puis je sais pas, mais c'est con, mais genre au début de la saison 2, Ulrich et Yumi qui sont enfermés dans une chambre chaude et qui luttent pour respirer, quoi. Genre, je sais pas, je trouve ça chaud, quoi. C'est le cas de le dire. En gros, la saison 4 et 5 devaient être deux saisons qui devaient être une chasse aux réplicas. On devait même voir beaucoup plus de réplicas, même celui de la montagne qu'on voit que dans le dessin animé. Qu'on voit pas dans le dessin animé. Ah oui, d'accord. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Si seulement ça avait duré cette série des dieux. Ça m'avait fait marrer d'ailleurs quand le joueur du grenier il en avait parlé dans les dessins animés des jeux 2000. Et alors ça fait le, tu sais, ça fait un peu le fan. Enfin, en fait, j'étais complètement d'accord avec toutes ces moqueries. C'est vrai, quoi. C'est genre, c'est vraiment vrai. Même si il y a une de ces critiques qui est pas foncièrement vraie quand il dit ouais, c'est 4 saisons de tout le temps la même chose. Oui et non. Oui et non. La fin, c'est les réplicas, c'est pas la même chose, quoi. Mais allez. Salut Magie Rêve. Allez, mais meurs, putain! Voilà. Et William devait être une sorte de mec sombre dans la saison 5 après avoir été libéré avec Xana, car au fond de lui, il aimait être comme ça. Putain, c'est stylé! Il faudrait que je trouve ton l'interview que tu cites là, Joey Coon, parce que ça. Yu-Yo, ça a l'air super stylé. Ça a l'air super stylé, quoi. Oh, c'est quoi ça? C'est un sextoy, ça, je connais. Ah oui, par contre, il faut un Pokémon feu niveau 5, très bien. Mais c'est vrai que Code Lyoko, c'est chiant parce que. Tu sais, des fois, je suis en mode putain, mais je rêverais récupérer les droits du truc et fabriquer une suite et tout, machin, mon cul. Mais le problème avec Code Lyoko, c'est que. Comme il y a. Enfin, c'est le monde. L'aspect sur Lyoko, quoi. C'est-à-dire que. Si, enfin, faire. Enfin. C'est obligé. Enfin, moi, je trouve. Après, peut-être que je me trompe, mais je trouve que le mélange vie réelle, enfin, vrai acteur, live action et 3D, phase 3D, comme il y a eu dans Evolution, je trouve que ça marche pas très bien. Je trouve que le mélange marche pas très bien. Moi, je kifferais de.
ouf, mais une suite, mais vraiment, on revient au dessin animé, quoi. Parce que c'est tout de suite beaucoup plus facile et ça apporte tout de suite plus d'impact parce que autant dans le dessin animé, les faces sur Lyoko ça impressionne quand le reste est en 2D, autant dans Evolution, en live action, ça amoindrit, je trouve, l'action, quoi. C'est-à-dire que ça en tourne presque au ridicule, en fait, de passer de vrais acteurs et tout qui se foutent sur la gueule à une sorte d'endroit jeu vidéo. Et c'est dommage. C'est dommage. Parce que c'est un univers où il y aurait tellement à faire, quoi, encore, mais. Oh. Ah là 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 là. Merde, je suis tombé. Tellement de choses à écrire. Bah, c'était déjà assez sombre, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, moi, je rêvais surtout. Moi, je rêvais surtout de. Oh putain. Bah, ça a été fait avec Révolution, mais. Enfin, oui. Ah oui, t'entends par là qu'il n'y avait pas assez de budget dans Évolution. Mais le truc, moi, ce que je voulais vraiment, ce que je voulais par-dessus tout, c'était plus de contenu, plus de d'approfondissement sur l'organisation de Franz Hopper, quoi. Elle est pas, je la trouve pas si sombre la saison 1. Enfin ouais, elle est, enfin je sais pas. Mais ouais, non, je la trouve pas si sombre. Enfin par rapport aux autres, quoi, genre. Ah, Joey Quinn. Incroyable, Joey Quinn est avec nous. Il a eu des problèmes. Ce n'est pas de sa faute. Putain, la vie de ma mère. Bah, il y a plein de trucs joyeux dans la saison 1 aussi, enfin. Enfin, je sais pas, genre le premier épisode, ça commence sur Millie et Tamia là qui ont des crises de bébé. Enfin. Par contre, faut que j'essaye de bien. Ah putain, mais bon, de toute façon, on aura bien le temps de parler de Code Lyoko et tout quand on lancera le truc, hein. Ça c'est indéniable. Indéniable. Par contre, oui, un truc par contre qui était assez trash dans la saison. Enfin, il y avait des. Après, oui, je suis d'accord que dans la saison 1, il y avait des épisodes assez sombres. Ça, je dis pas le contraire. Genre, mine de rien, les rats possédés, là, quand ils. Je me rappelle, mais la scène où le rat se fait posséder par Xana, tu le vois qu'il se débat et tout avec des cris horribles. C'est horrible de le voir souffrir comme ça, là. Ah, mais oui, d'accord! Putain, le mec comprend 1000 années après ce qu'il faut faire. Ah, et est-ce que là tout marche, Joey Quinn? Et puis ouais, l'épisode Canal Fantôme aussi était assez sombre, mais sinon. Après, c'était pas le même studio, quoi. C'était la saison 1, c'était pas Moonscope. D'ailleurs, tout a fermé, non? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un putain de labyrinthe de glace. Putain, c'est horrible qu'ils aient fermé, hein. C'est horrible. Avec tellement de potentiel, tellement de potentiel. Tellement de potentiel cette série, enfin je sais pas, mais. Tellement de choses qu'on peut développer. Putain, la vie de ma mère! Oh là 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 là, eh là 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 là, je sens qu'on va pas s'amuser. Je vais essayer de me déplacer avec le stick. Ça sera plus précis. Ah, c'est pas cool ça, effectivement. Par contre, là, je suis pas du tout au bon endroit.
Ouais, mais c'est vrai. Mais de toute façon, tu sens hein, que. Enfin, c'est pas qu'elle est bâclée la fin, mais c'est vrai qu'il y a tout. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les derniers épisodes, quoi. Genre, tu sais, entre le moment où il découvre le colosse, qu'il découvre le plan de Xana et tout, et la fin, c'est toute la fin, ça, tout se suit, quoi. Alors que ça aurait été stylé qu'effectivement, ça soit mis au fur et à mesure de l'avancement de la saison, quoi. Après, ça n'empêche pas que c'était une saison de ouf pour moi. Ah mais quoi? 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 Non, 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 je suis désolé. Non, 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 la plateforme pour moi, elle était collée au mur. Elle était collée au mur, il n'y avait pas un trou entre le mur et la plateforme, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, la glace, elle tient pas par le Saint-Esprit, tu vois. Il y a un moment donné, s'il y a de la glace qui est suspendue dans le vide, c'est parce qu'elle est collée au mur. Mais bordel de merde! Ouais, je l'ai commencé vers 20h40, 20h50, parce que je veux finir le jeu, tu vois. Genre, non mais là, vous vous rendez compte, les gens? Là, vous... Ouais, non, ok, non, effectivement, il y a une sorte d'ombre, une sorte de vieux ombre portée chelou qu'ils ont mis là contre la glace là. Mais pour moi, ça coulait de source que c'était collé en fait. Ouais, j'ai commencé à live un peu plus tôt pour qu'on avance un maximum le jeu. Tellement j'en peux plus. Est-ce qu'il y a un Pokémon feu niveau 4 là? Allô? C'est quoi? C'est des statues de... Ah, c'est des statues de Riolu. Incroyable. Est-ce que tu t'appelles Kiki Machin? Oh, Machin est de trop, peut-être que tu as raison. Ah, désolé, reste cool. Tu cherches un truc bleu, non? Je sais tout. Un de mes hommes a capté le vocogramme que tu as reçu au campement Froidure. Il m'a dit que le son était ridiculement fort. Alors, qu'en dis-tu? Tu veux faire équipe avec moi? Pendant que tu agites ton capstick, je file à l'intérieur et attrape le truc bleu. T'inquiète, t'auras ta part, je t'offrirai une glace à l'eau. Super. Ah, oh, c'est le mec, c'est Axel. On a retrouvé Axel, les potes. Qui demeure dans 20 jours, dans un peu plus d'un jour. Ça me laisse tellement pas beaucoup de temps pour finir P5, bordel de merde. Bordel de merde. Oh, il dab! Ah non, il dab pas. Après, même si je finis pas P5, je me dis c'est pas très grave parce que même si je suis vers la fin, parce que à mon avis, même si je vais pas pouvoir jouer autant qu'en ce moment quand je vais rentrer, mon Martic. Je me dis. Oh mais putain, mais c'est un boss, mais bordel, mais préviens ton boss, bordel. Il est ultra mal placé, ce boss. Attends, si je perds, je dois refaire le chemin de glace, putain. Non mais c'est incroyable. Les mecs, ils te foutent un escalier avec une borne de sauvegarde, mais en haut, c'est pas un boss. Mais par contre, ils te foutent. Non mais bon, bref. Tout ça pour dire. Aïe, tout ça pour dire que j'ai intérêt à pas perdre. Aïe! On va se soigner. Non, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Putain de merde. Ok, là on va se soigner par contre. Ah ouais, non, mais visuellement, mais j'y crois pas, quoi. J'ai vraiment arrêté de mater les trailers, mais... Enfin, quand je partage des screens et tout, je suis en mode, mais putain, quoi. C'est terrible, parce que visuellement,
T'as l'impression que c'est la même qualité que les films d'animation en eux-mêmes, quoi. Quand tu vois Sora dans le monde de la Reine des Neiges, au niveau de la qualité, t'as l'impression qu'ils ont pris les images du film, quoi. Ça veut rien dire. Oui, putain. Par contre, ouais, quand tu connais pas, enfin, quand tu connais pas Cage, c'est... enfin, Cage concrètement, c'est la seule série, mais du monde en fait que je connaisse. C'est la seule saga que je connais, que je connais de ma vie, où les mecs se sont dit, les spin-offs sont des épisodes obligatoires, tu vois. Genre, enfin, Cage, tu peux même pas, les spin-offs de Cage, tu peux même pas les appeler des spin-offs en fait, tellement c'est des épisodes importants. Il y a effectivement des épisodes que tu peux te permettre de sauter parce qu'ils sont pas nécessaires à 100%, mais même s'ils sont pas nécessaires à 100%, il y a quand même des trucs qui vont te manquer dans l'intrigue principale, quoi. Genre, il se passe beaucoup trop de choses entre le 2 et le 3, quoi. Enfin, pour comprendre le 3, c'est un truc de dingue, tout ce qu'il faut comprendre, quoi. Ah bah écoute, barre-toi mon pote. Ah bah oui, complètement. Non mais quand tu fais le listing de tous les jeux cash, mais ceux que tu n'es pas vraiment obligé de te faire. Enfin je. Même le 3DS, le Dream Drop Distance que j'ai fait, c'est le dernier que j'ai fait en date, que j'ai fait récemment parce que bah, c'est celui qui se passe juste avant le 3. Et même lui, au final, pas grand monde en parle, tu vois. Mais au final, bah ouais, c'est quand même un prologue du 3, quoi. Et à la fin, t'apprends des trucs assez importants. Que veux-tu ici, Ranger? Ranger. J'ai menti. Ah, Recoded, je l'ai pas fait. Recoded, je l'ai. C'est vrai que Recoded, je l'ai pas fait. Enfin, j'ai fait le. Enfin, j'ai vu vite fait, tu sais, l'assemblage de cinématiques. Mais c'est le seul que j'ai pas fait. D'ailleurs, je serais même pas capable de te ressortir ce qui s'y passe d'important. Ah mais moi pareil, enfin combien de fois j'ai voulu écrire une suite à Code Lyoko, c'est un truc de dingue quoi. J'étais parti sur un petit... mais ouais non, n'hésitez pas à mettre dans le coin écrivain effectivement sur le Discord. Mais effectivement j'étais parti sur une idée... J'étais parti sur une idée... Enfin que ça se passait, ouais, que ça se passait vraiment... Ça se passait un peu plus de 10 ans plus tard, tu vois. Que genre Aelita et Jérémy, bah ils étaient pas mariés, mais ils étaient vraiment ensemble depuis un bon moment. Et en gros, le plot commençait par une lettre chelou d'une organisation chelou qui reçoit Aelita et qui lui dit en mode ouais, tu voudrais des réponses sur ton père et tout, machin. Des trucs comme ça, quoi. Malheureusement. Non, Draycoon. Je peux remettre les épisodes de Dailymotion que j'avais remis en re-upload là, sur YouTube. Je peux faire ça. Mais sinon. Attends. Non, c'est sûr que non. 2018. Ok, alors, j'ai que le dernier épisode du 1. Sur mon PC, je n'ai plus que le dernier épisode du 1. Sinon, tout le reste, bah, j'ai... Ouais, j'ai, bah, du coup, c'est les 20 premiers, je crois, qui sont sur Dailymotion.
Oui, mais c'est pas ultra officiel, etc., etc. Genre, ils le mettent pas sur tous les toits, alors que dans mon concept, ils étaient quasiment mariés, tu vois. Mes saisons préférées, c'est toutes les saisons de Diamant Perle. Ouais, j'ai le début du 2. Parce que voilà, petit teasing. Oh, cette bataille du charisme n'empêche. Ah, c'est terrible. Petit Ah teasing, là je là, comptais oh là faire le. là, Enfin, ah, et bah, ah, et j'avais tourné bah, plusieurs aïe. épisodes du 2. C'est pas De mal, c'est du KH2. Mario même, petit con. Mais sinon, non, franchement, le 1, je peux remettre les 20 premiers, mais de toute façon, les autres ont disparu, donc ça servirait pas à grand chose. Mais peut-être je ferai un let's play du 2, je sais pas. Parce que oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Oh, attendez, j'ai de la bouffe. Alors, est-ce que je fais une pause bouffe? Attendez, ça fait combien de temps qu'on est en live? Ok, 1h15. Ouais, bon, ouais, non, on va faire une pause. Attends. Mais non, mais quel con! Quel con. Incroyable. Parce que là, ma mère m'a apporté de la bouffe parce que y a du monde et tout en bas et tout, machin, c'était pas prêt. Bon, comme ça, on va pouvoir discuter en même temps que je mange. Ouais, parce que pour parler, en fait, un peu let's play, parce que vous avez vu, j'ai commencé le let's play de Let's Go Evoli sur la chaîne. Et à la base, j'étais parti sur du format très court, des épisodes très courts, parce que j'étais pas sûr de rester sur la chaîne, quoi. Et j'étais en mode, ouais, je peux refaire des petites vidéos et tout, mais je veux pas que ça me prenne trop de temps. Je veux pas que ça me prenne trop de temps, et puis je voudrais que ce soit essentiellement pas prise de tête, courte vidéo, etc. Sauf que bah, depuis que j'ai réfléchi la chaîne pour l'archipel, je me suis rendu compte que ouais, j'ai pas. Enfin, je veux pas que. Je veux pas. Enfin, si je continuais à faire des vidéos aussi courtes, ça ferait une série quand même assez longue. Une série très très longue de vidéos pour Let's Go Evoli. Attendez. Hop. Ça ferait une série très très longue. Et c'est pas ce que je veux, quoi. Genre, essentiellement maintenant, les vidéos jeux vidéo, ce sera soit dans gameplay, donc l'émission jeux vidéo, hop, que j'ai lancée, soit ce sera en format let's play, mais je pense refaire. Après, je sais pas, parce que, enfin, déjà de base, ça n'attire plus grand monde le let's play, mais en plus, je sais pas si en plus en format longue vidéo ça a ramené du monde. Mais en tout cas, tout ça pour dire que maintenant, les let's play, je pense que ce sera des vidéos assez longues, quoi. Au lieu où avant, au contraire, c'était très court, maintenant je pense que ça redeviendra assez long. Pour qu'il n'y ait pas un nombre d'épisodes ahurissant, quoi. Aïe! Alors attends. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mais quel con! Ah oui, d'accord! Donc en fait. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tout à l'heure. Enfin, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit, ouais, le jeu. Enfin, la solution nous conseille d'aller chercher Dinoclier. En fait, c'était pour battre Mom Arctic plus facilement. Mais sauf qu'il était pas spécialement dur, donc. C'est super. Merde. Oh. Alors. Ah, ok, il faut deux Riolus. Mais ils sont où les Riolus? Mais ils sont où les Riolus? Ah, ils sont peut-être. Ouais, ils doivent être dans la zone que j'ai pas visitée. Parce qu'apparemment, il faut avoir deux Riolus avec soi pour avancer après les statues là.
Ah, c'est ça, pour éviter de surcharger. Pour éviter de surcharger, pour que... Excusez-moi, c'est pas poli de parler à la bouche pleine. Pour éviter de surcharger et pour que je puisse faire plusieurs let's play quand même. Ouais, je pense que le mieux sera de faire des vidéos assez longues, quoi. Même si je suis d'accord que ça peut réfréner de ouf, quoi. D'avoir des longs épisodes à regarder et tout, je suis complètement d'accord que ça peut freiner vachement, quoi. Ok. Mais franchement, moi j'ai un. D'un aspect gaming, d'un point de vue gaming, moi, celui que. Enfin, mon idéal en fait, c'est Atomium. Atomium pour moi, et je le pense vraiment. Pour moi, Atomium, c'est le meilleur. Et de loin. Hein. Pour moi, c'est le meilleur et de loin vidéaste gaming de tout YouTube. De tout YouTube gaming, pour moi, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur. Le mec, c'est une crème. Mais quand tu dis... Enfin, je pense que vous connaissez, vous voyez ses vidéos, mais la façon dont il parle de ses avis, la façon dont il est avec sa communauté, c'est une crème. Il repense sans arrêt... ses vidéos, ses avis et tout, il essaye plein de choses différentes, il se renouvelle sans arrêt. Et surtout, ce que j'adore en fait, c'est que. Il fait beaucoup de let's play. Ah voilà Riolu. Il fait beaucoup de let's play. Et surtout, il les fait en live. Donc en fait, ce qui fait que. Concrètement, il fait ce que j'ai toujours rêvé de faire depuis que j'ai lancé la Moquette TV en fait. C'est-à-dire faire des let's play en live. Donc soit des let's play de jeux qu'il connaît déjà, soit des découvertes. Donc ce qui veut dire que quand il fait des épisodes, il a les retours des gens directs et il peut partager et tout pendant qu'il fait des épisodes. Et en plus, après, il a un PC. Enfin, il a un PC et une. Et des ressources assez importantes pour ensuite mettre les VOD sous forme d'épisodes de let's play de très 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 bonne qualité. Et ça, c'est ce que je rêverais de faire en fait. Et c'est vers ça que j'aimerais beaucoup me tourner, mais faut le PC et tout quoi. Une fois que la Moquette TV sera finie, tu vois. Genre, une fois que la Moquette TV sera finie, si je pouvais refaire des lives, tu vois, enfin, la façon que je voudrais de refaire des lives, ce serait ça, quoi, genre faire des let's play, mais encore une fois, il me faut la connexion, quoi. Et un XSplit plus performant, parce que je crois que ce XSplit gratuit fait que la 720p. Bah ouais, après moi je le dis, enfin tu vois, je le dis de ouf et tout, hein, essayez de partager ma chaîne si vous voulez, machin et tout, enfin. Mais déjà c'est super, super gentil de mettre des commentaires, hein, vraiment, sachez-le. Hein. Je le remarque. Ouais, je sais pas, minuscule, je sais pas encore.
Mais déjà, est-ce que ça plaît? Est-ce que ça vous plaît déjà? Putain, le truc qui rime. Le truc qui rime bien. Est-ce que ça vous plaît déjà? Gameplay. Putain, pourquoi j'ai pas le message? Je comprends pas. Ah mais le jour où j'ai la fibre... En fait c'est simple, le jour où j'ai la fibre, j'essaye de tout faire pour que mes let's play deviennent pareil que sur YouTube, tu vois, des vrais let's play, mais que je ferai en live, tu vois. Que les épisodes de let's play sont en fait des VOD, comme ce que fait Atomium. C'est vraiment mon but et ce que je rêve de faire, tu vois. Que mes épisodes de let's play se transforment en VOD de live en fait. Ça pour moi c'est vraiment le summum du truc quoi. Enfin il y a vraiment une... Enfin c'est dingue à quel point l'ambiance n'est pas du tout la même entre quelqu'un qui fait un let's play dans son coin et quelqu'un qui le fait en live quoi. C'est dingue à quel point le... Même si le mec ne va pas parler énormément avec son chat, le simple fait d'en parler un peu et d'y prêter un peu attention et tout, mais ça change complètement l'ambiance du truc, quoi. Mais c'est un truc de dingue. Hein. Enfin, c'est simple, moi, je ne... Bon, après, c'est un peu horrible ce que je dis, parce que je suis un peu en train de dire « Regardez pas mes vidéos », donc c'est un peu horrible, mais c'est vrai que moi, les let's play qui sont pas des VOD de live, je n'arrive pas à les regarder, tu vois. Je regarde vraiment du let's play encore maintenant, mais encore une fois, c'est via Atomium, via Ken Bogard, via Mister MV et tout, et c'est des VOD de live. Ah, mon pauvre Joy-Kun. Incroyable. Putain, je suis tombé! Bon, alors, faut que j'aie le deuxième Ryulu qui, je suppose, est à gauche de la salle. Ah là là, c'est par où maintenant? Oscu? Ah oui, c'est par là. Normalement, c'est par là. Allô? Ici, le capitaine Tuyo. Ah là là, bande de chanceux, putain, bande de chanceux. Est-ce qu'il est là, Ryulu? Ah, il est là. C'est bon, on a le deuxième Ryulu, les potes. C'est bon. Paniquez pas, hein. C'est énorme. Paniquez pas, c'est énorme ce qui se passe. Par contre, je sens que je vais m'amuser pour les VOD, enfin pour les VOD de quand on fera Code Lyoko, je pense que je vais m'amuser, je pense, pour les miniatures, je vais prendre des screens de l'animé, je pense. Parce que bon, le jeu, au bout d'un moment, je vais en avoir fait le tour, quoi. Mais je pense, oui. Je pense que pour les miniatures des VOD de Code Lyoko, je vais faire... Puis encore une fois, ouais, vous inquiétez pas, encore une fois, même si le format traditionnel Moquette TV sera fini, s'il y a un let's play que je veux faire en live et tout, notamment en jeu DS ou quoi, je me démerderai pour le faire, tu vois, genre ça sera peut-être... Enfin, certes, ça sera genre, je sais pas moi, admettons, 8 lives sur un jeu et après il n'y a plus rien avant des mois, mais tu vois, enfin encore une fois, la Moquette TV... Le format qu'on connaît va disparaître, mais les lives c'est pas fini quoi. Ouais c'est ça Joy-Kun, c'est ça, hein. C'est complètement plus chaleureux, c'est genre t'as de l'aide directement, t'as du partage, t'as des anecdotes et tout machin, enfin c'est génial quoi. Genre hier c'était il y a Ato qui a commencé à streamer Metroid Prime, donc il découvre Metroid Prime. Et l'ambiance était folle, quoi. Après, ouais, je suis d'accord, ça va. Il faut le streamer aussi, il faut le tempérament et tout. Parce qu'un streamer qui s'en bat les couilles et tout... Enfin, il y a des VOD de live où c'est pas intéressant, mais... Genre, par exemple, tu vois, voilà, c'est les petits instants confession et tout.
Mais par exemple, ouais, j'ai de très très bons souvenirs. Alors même si ça s'était pas fait dans des conditions de dingue, j'ai de très bons souvenirs des quelques VOD que j'avais faites sur Life is Strange. À un moment, il me semble pas que c'était des moquettes TV. Enfin, j'avais fait plusieurs moquettes TV sur Life is Strange, mais c'était pas vraiment l'esprit en tant que tel. Mais j'avais fait plusieurs lives sur Life is Strange hors moquettes TV. Et c'était super cool. Genre, je découvrais et tout en live et c'était super cool. Mais après, voilà, le problème, c'est que bah voilà, la qualité du jeu était pas dingue, il y avait des freezes et tout, forcément, pour ceux qui regardent en live, c'est forcément que c'est pas appréciable. Donc c'est ça qui fait chier, quoi. Et c'est pour ça que oui, je veux plus. Je veux attendre d'avoir du vrai matos ou des vrais trucs pour reprendre du live correct. Mais je veux pas, tu vois, je veux tant que j'ai pas la fibre, je veux pas investir dans un nouveau truc de capture et tout, dans un XSplit plus puissant, etc. quoi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bordel de fiottes? Oui? Oui, voilà, exactement, Joey Kun, exactement. Bah, le principe Moquette TV, en fait, c'était surtout une idée de présenter des entre grosses guillemets des programmes variés, tu vois. Après, voilà. Enfin, la Moquette TV restera la Moquette TV dans le sens où je. Enfin. Dans le sens où je peux faire ce que. Enfin, je continuerai à faire ce que je veux en live, tu vois. Si à un moment donné j'ai envie d'ouvrir un live pour faire du blabla au lieu du gaming ou au lieu d'un let's play, bah voilà, je peux le faire et puis ça. Puis voilà, quoi. C'est concrètement, de toute façon, oui, ce que fait Atomium, enfin, sa chaîne Twitch, c'est clairement une Atomium TV, quoi. C'est-à-dire qu'il navigue entre let's play, entre vidéo test, enfin. Ce qui est génial dans les vidéos de Atto, c'est qu'il produit son contenu YouTube, genre ses vidéos et tout, découvertes ou des trucs, des critiques qu'il veut faire sur des jeux et tout, il les fait en live, quoi. Genre comme si c'était une web TV en mode voilà. En mode voilà, ce qui va arriver sur ma chaîne YouTube, bah, je le fais avant en live, quoi, comme une sorte de TV qui après met ses VOD. Sur un système, enfin c'est stylé, franchement, mais le système d'Atomium, ah, ça fait suceur, mais vraiment si je pouvais le sucer, je le ferais, tu vois, mais vraiment la façon qu'il a de travailler Atomium, j'adore, quoi. Et dire que je l'ai rencontré avant d'être fan de lui, enfin ça me tue, ça. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. Il m'est arrivé la même chose avec l'homme pâle. Après, c'était cool, tu vois. L'homme pâle, encore une fois, je l'ai découvert en concert. Enfin, le rappeur, je l'ai découvert en concert. Je le connaissais pas avant d'aller le voir en concert. Après, oui, après, c'est pas pareil. Là, c'est mieux. Enfin, ça peut être bien aussi de découvrir un artiste en concert, parce que du coup, tu le rencontres dans des vraies qualités. Enfin, dans un vrai contexte, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il n'y avait pas ce côté fanboy, quoi. Quand je l'ai vu en concert, je connaissais pas ses chansons. Oh, Lucario! Et Atto, c'est pareil, quoi. Quand je l'ai rencontré, oui, je connaissais un peu ses vidéos, mais je regardais pas encore. Pas encore de ouf. Mais ouais, non, pour Atto, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Putain, c'est un boss lui aussi? À l'aide! Putain, il est rapide! Mais c'est vraiment quelqu'un en or, ce mec, c'est affolant, quoi. Aïe! Il fait ultra mal, il est ultra rapide! Aïe! Aïe, aïe, aïe! Mais il est infernal! Aïe! Alors attends. Il y a quoi comme astuce? Là encore, Dinoclier peut renverser le match.
Lucarius capture vite, mais dès qu'il est l'enveloppe de son aura, il devient beaucoup moins gérable. Pour vous, car il se déplace, ensuite il se dans tous les sens, il est plus vulnérable quand vous l'aurez bien. Ok, ok, alors je vais d'abord me soigner, et après je vais utiliser Dinoclier. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'est pas poli du tout. Alors la ligne de capture crée une orbe d'énergie, alors lancer sur la cible. Putain non! Oh putain! Je me prends un coup, c'est fini. Putain non, j'étais presque. Mais putain, mais j'ai pas sauvegardé depuis des lustres en plus. Oui. Oh, mais attends, mais c'est quand la dernière fois que j'ai sauvegardé? Ah ok, c'était là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Bon, on va se recharger et on va chercher d'autres Raichu. J'ai pas compris le truc du dinoclier en fait. Et de comment il fonctionne. Non, en vrai ça va, je suis pas loin, je suis juste à côté donc ça va. Is okay comme disent les jeunes. Mais putain, j'ai eu peur. Hein. J'ai eu très peur. Hein. Dans ma tête, on n'avait pas sauvegardé depuis avant, bien avant les Riolu et tout quoi. Donc c'est bon, là je reprends mon souffle, c'est bon, je respire, c'est bon. Là c'est bon, je suis au top les potes. J'ai le skill dans la main. Pauvre Makita, tu méritais de réussir. Non mais clairement, hein. Mais en plus j'étais pas loin de la fin. Putain, ça me casse les couilles. La vie est casse-couille. Je vous le dis les potes. Hein. Je vous le dis comme je le pense les potes. Hein. Ça va les potes. Non mais j'aime bien dire comme disent les jeunes. Pas parce que je suis pas vieux. Hein. Je suis pas vieux, arrêtez tout de suite. L'année prochaine, ça fera 10 ans que je suis One Piece, les potes. Hein. C'est les 20 ans de l'anime l'année prochaine, mais... Enfin, cette année, n'importe quoi, l'année prochaine, mais... Eh, Moquette, on est plus en 2018, en fait, hein, je te spoil. Hein. Mais cette année, ça fait 10 ans que je suis One Piece, quoi. J'avais effectivement commencé One Piece quand c'était les 10 ans de l'anime. C'est le moment de chauffer qui font rage. Bah, un petit peu, quand même, hein. Oui. Non mais ça va, en vrai c'est bon quoi, il y avait un truc de sauvegarde juste avant. Donc on est bon quoi, on est complètement bon là. Ah ouais les potes, hein. Ça c'est sûr. Mais ouais non, j'espère que je vais avoir des vues, des abonnés et tout. Parce que je suis dans un bon mood, tu vois. Je suis dans un bon mood entre les vidéos que je suis en train de faire, que je suis en train de préparer et tout. Genre, mes miniatures, j'aime bien. Le rythme, je me suis retrouvé à un rythme et tout, machin. Donc, je vais pas trop partager, mais voilà, j'ai des trucs de pas mal de prévus qui varient et tout. Donc, ça serait cool de retrouver une commu, quoi. Parce que là, putain, il faut tout rebâtir. Hein. Faut tout rebâtir, c'est terrible. C'est putain de jeu. Allez, on s'en bat les couilles, putain, Lucario.
Apparaît. Cette putain de vie comme un jeu, je suis encore un môme. Ah, c'est gentil, Vio. Mais tu te rends compte, si tout le monde fait comme toi, si tout le monde fait comme toi et avec tous ses potes, mais à quel point ça peut monter vite, tu vois? En vrai, hein. Il a tellement un visage paisible, limite triste sur son artwork. On a pas l'impression comme ça qu'il est très violent. Hein. Alors qu'en fait. Faut que je. Aïe! Alors on va essayer d'inoculer mon cul là. Aïe. Tiens, je comprends pas comment ça marche, putain. Oh putain! Putain, mais non seulement j'aime pas le jeu, mais en plus il demande des efforts et il fait transpirer quoi, mais. Au moins ta chaîne actuelle a encore une meilleure. Oh, c'est gentil de jouer Kun! Mais non, mais oui, mais Yu-Yo, mais le truc c'est que. Enfin. Même si j'adore Nintendo et même si et tout, je fais des trucs machin, au cas où ça ne se verrait pas, l'idée de l'archipel, c'est que le concept va énormément varier. L'idée, c'est que. Oui, Alpha, merde. L'idée c'est que ça varie de ouf et que donc du coup, ça c'est pas, c'est en aucun cas. En aucun cas, ça va être que Nintendo quoi. Enfin ma chaîne c'est pas que Nintendo du tout. Alors attendez. Hop. Ah, merde. Ah. Ah, il vous a manqué Sparrow. Bah non, mais bon, à un moment donné, c'est ça les potes, hein, c'est ça. Hein. Faut recruter les meilleurs.
Alors. Bon, alors du coup, là, maintenant, je vais où, en fait, concrètement? Parce que... Merde. Voilà. Ah, il y a un téléporteur devant les Riolous. D'accord. Alors, attends. Il y a un téléporteur devant les Riolous, apparemment. Ah, mais non, mais attends. Oui, non, c'est plus loin, les Riolous. C'est pas là. C'est pas là, les Riolous. Alors attendez, je reviens. Je reviens, je viens de recevoir un message un peu important, je reviens. Je connais pas la date de ce, enfin la date de commencement de ce que vous voulez là, de cet article 13. Je sais pas du tout. Deux heures 45 et ça fait du coup quasiment 2 heures. Ah, attends, il y a un téléporteur. Oui, il y a un téléporteur, effectivement. Mais non, mais casse-toi. Concrètement, casse-toi. T'as réussi, Kiki.
Bah, ouais, moi je vous avoue. Je sais pas trop quoi en penser, quoi. Ah oui, mais non, mais maintenant faut que je me barre! Incroyable! Alors oui, je veux monter sur Etoraptor. Je veux monter sur Etoraptor et je veux aller pour Fédération Rangée. Je veux aller à la Fédération Rangée. Ok. Salut madame. Oui, il faisait un peu froid. J'avoue que là, on passe du nord, du nord Pas-de-Calais, à ici, genre en deux clics. Ouais, grade plus 1, mais c'est fou, mais vraiment, mais on est sur du, on est sur de la qualité, quoi. Alors. Du coup, Moquette, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de scale dans ta nouvelle chaîne. Du coup, est-ce que tu feras une sorte de scénario d'Island Neil? Je ne veux pas trop en parler. Je veux pas spoiler. Tiens, je me posais le 10 mètres comme ça si tu pouvais faire ton. Retirer. Je sais pas s'il y en a que je veux vraiment retirer, parce que même s'il y en a que j'aime pas, ça reste des personnages qui ont leur place, je trouve. Genre Wii-Fit, tu vois, je comprends pas ce que ça fout là, etc. Sinon, ajouter. Enfin, j'en avais déjà parlé, je crois. J'avais parlé de Rayman, etc. Des trucs, des personnages comme ça. Mais après, ouais, je sais pas. Après, c'est un peu compliqué. Je sais pas. Enfin, faut que je réfléchisse. Rayman, c'est sûr. Mais après, tu vois, c'est des personnages. Après, enfin, j'ai peur que ça fasse trop bordel, tu vois. Parce que, genre, j'aimerais trop qu'il y ait Spyro, Crash, des personnages comme ça. Mais après, est-ce que ça serait pas trop bordélique? Est-ce que ce n'est pas des trucs qui n'ont rien à voir avec. Enfin, tu me diras, il y a déjà des trucs qui n'ont rien à voir avec le truc de base, mais. Je sais pas. Comme prévu, un succès éclatant, le pouvoir de la gemme bleue annule. Quoi, Pichu? Oh là là, oh, Pichu, jamais. Hein. Et Speed Dracofeu en solo, d'accord. Ah, moi, Pichu, c'est mon main. Hein. Je l'adore, Pichu. Rondoudou, par contre, je suis d'accord. Même si, ouais. Enfin, le truc, ouais, on est d'accord qu'il y a trop de Pokémon, hein, mais. Mais bon, Rondoudou, malheureusement, tu sais, il fait partie du lore, quoi. Enfin, genre, il est quand même ultra culte, quoi. Il est ultra culte. Donc, je comprends qu'il soit là.
Incroyable. Attends, je regarde, je vérifie un truc. Alors, 11e mission. Donc après c'est là. Ouais, ok. Il reste quand même encore un peu de marge. Bon, je pense qu'après le dialogue, là, je vais m'arrêter là avant de redémarrer une autre mission. Ah ouais, Junko, j'adorais Junko, ouais. Midona, ouais. Mais Junko, mais moi, Masko ou Junko, j'en rêve depuis des années. Depuis que je les ai vus dans Ruby Sapphire, tu vois. Pour Narnia! D'accord. Très bien. Bah moi j'aimerais sauvegarder en fait les potes. Putain, c'est... Ouais, Film Inferno il est cool. Fait l'Inferno... Bah mais j'ai faim, mais je me nourris, mais parce que j'ai faim. Attends, j'ai pas mangé depuis... J'ai mangé un bout tout à l'heure, mais... Ouais. Non mais attends, j'ai pas mangé... J'ai pas mangé de la soirée, tu vois. Okay. Je te couche, moi. N'importe quoi, lui. Ok, d'accord. Ouais, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'arrête là? Bah, c'est des patates avec du veau, des champignons. Ah bah oui, tiens, des champignons, Greg. Il y a des champignons. Est-ce que je continue ou pas? En sachant que si je continue, je fais une pause quand même. Mais je sais pas. Quoi? Tu n'es pas fan des champignons? Quel est ce tourment? Quel est cette... Ah mon dieu! Un chat qui déteste les champignons. Les champignons. Les champignons. Oui, je sais différencier. Mais putain, elles sont bizarres tes questions, bordel de merde. On ne le répétera pas assez, on ne nous dit pas tout. Tu es un champignon, Harry. Le truc, c'est qu'il est quand même 23h. Donc si je fais, admettons, encore une heure, ça... Enfin, une heure ou une heure et demie, ça emmène un peu tard. Oh, le mec, il réfléchit pendant 10 milliards d'années, bordel. Espèce de champignon. Servant d'éruption.
truc, c'est que c'est un jeu de ses morts, c'est un jeu de ses morts. Allez, je veux bien partir. Alors qu'au final, il va finir le live à jouer à personne. Non, même pas. Non. Je veux bien repartir sur un nouvel épisode. Mais je finis de manger. Donc je fais une pause quand même. Parce que faut pas déconner. Hein, faut pas déconner, j'ai besoin de manger et tout. Non, mais voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause. Donc pour ceux qui regardent en VOD, bah écoutez, l'aventure s'arrête ici pour cette vidéo. Mais pour ceux qui sont en live, donc, je fais une petite pause. Tu veux pas jouer à Fortnite? Pour ceux qui sont encore en live, je fais une petite pause. Et puis on reprend le live nocturne et tout juste après. On fait comme ça? Non, mais malheureusement, c'est horrible dit comme ça, mais malheureusement, on continue Ranger, à un moment donné, non mais les gens, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai envie d'en finir le plus vite possible. Non, je suis désolé les potes, j'aimerais beaucoup qu'on joue à autre chose, mais il faut finir cette merde, il faut, à un moment donné, si on le retarde toujours, à un moment donné, ça va se voir, et à un moment donné, ça marchera plus. Bon, allez. Voilà, finissons ce que ça va faire. Allez, plein de bisous à ceux qui regardent en VOD et ceux qui sont en live. Surtout, ne bougez pas, ne changez pas de lien. On arrive dans pas longtemps. Enfin, je reviens dans pas longtemps. Restez là, hein, bougez pas, c'est énorme.